Salut à tous, on se retrouve pour une démo des pédales de la marque Moore, en l'occurrence aujourd'hui une overdrive, la Green Mile et une distorsion, la Cruncher. C'est parti pour la démo, Strat et l'ANEV VC30 212. On commence donc la démo avec cette overdrive Green Mile, donc qui est une overdrive type Screamer, donc avec des réglages très simples, un taux de gain, un niveau de sortie, une tonalité et un petit switch qui s'appelle Hot Warm qui rajoute de la chaleur en gonflant les médiums. Je rappelle aussi au passage que les pédales Moore sont toutes équipées de vrais bypass et qu'on ne peut pas les alimenter avec une pile 9 volts. Alors c'est parti, on va d'abord utiliser la pédale sur le son clair de l'ampli. Donc voilà le son clair de l'ampli. Maintenant, on va monter la pédale donc au niveau du gain quart de tour par quart de tour et on verra la tonalité après comment elle se comporte. Donc déjà, le gain quart de tour par quart de tour en position warm. Voilà, tonalité. Tonalité à fond, plus on va la baisser, plus elle va gommer les aigus. Donc, au milieu. Je précise que je suis sur le micro manche de la Strat, donc maintenant micro chevalet. Là, on va refaire les mêmes positions, mais en position haute. Donc, il y a une différence de niveau de sortie et une grosse bosse dans les hauts médiums, voire dans les graves. Donc, en warm, ça donne ça. En haute, ça donne ça.
la strat. Sur le canal saturé de l'ampli qui est réglé avec un léger crunch, donc voilà ce que ça donne. Donc, utiliser comme un boost. Cette distorsion, la cruncher, disto très simple, un gain, un volume, une tonalité, c'est parti. Donc on y va, la cruncher sur le son clair de l'ampli, donc voici le son clair de l'ampli.
à fond. Voilà ce que ça donne. À la moitié. Et à zéro. Cette démo vous aura plu. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver toutes ces pédales au magasin Guitar & Co à Rennes et elles sont également vendues sur un petit pédalboard de ce type qui est bien pratique. Salut !